Allez les amis, voilà, on se retrouve pour ce match day entre la Finlande et la Russie dans ce Euro 2020 qui commence à faire des départagements dans les groupes. Donc les amis, moi j'irai partir tout de suite pour ce match et on se retrouve après les hymnes nationaux les amis. A tout de suite. Bienvenue pour cette deuxième journée de phase de groupe. Les débuts n'ont pas été grandioses avec un match nul. Il faut rebondir aujourd'hui et aller chercher la victoire. Cette rencontre est importante. Les deuxièmes matchs. Donc les amis, excusez-moi, mais je pensais qu'il y avait des hymnes nationaux, mais en fait la Finlande et, la Russie n'ont pas d'hymne national dans le jeu. Donc ça a été vite, ça a été assez vite. Donc on va continuer pour le match les amis, c'est Finlande-Russie du groupe B. Donc on va voir ce qui va se passer au soir, demain il y aura Belgique-Danemark, pardon, voilà. Je me suis souvenu. Donc ça va partir en bordel, on va voir ce qui va se passer les amis. Dans ce match qui va être assez complexe, vu que c'est deux équipes de l'Est. Et... qui se connaissent quand même bien et aussi qu'ils ont à peu près le même niveau les amis hein. Peut-être que je pense que la Finlande peut-être elle est plus forte que la Russie, je ne suis pas sûr, mais j'ai cette impression que la Finlande est plus forte que la Russie par rapport aux joueurs que j'ai vus sur le terrain quand j'ai fait les équipes. Donc on verra les amis. Allez, désolé si je suis pas super au top, mais j'ai ma crise d'allergie les amis, j'arrête pas d'éternuer. J'ai du mal à respirer, donc j'essaie de faire au mieux. Décidément, j'en ai toujours une, les amis. Hein. Il y a deux jours, j'étais fini à l'hôpital. Maintenant, je ne suis pas bien. Mais franchement, je ne dirai plus rien. Parce qu'après, vous allez dire, oh, il est hypochondriaque, le garçon, là. C'est pas possible, il est toujours malade. Pourtant, mes prises de sang sont toujours au top. Comme mon cœur, tout est parfait, donc je sais pas. C'est une petite crise d'allergie, hein, ça va revenir. Autant que ça se calme, parce que j'ai mon nez bouché à mort. Donc j'ai respiré avec la bouche. Donc j'ai du mal aussi à parler de temps en temps. De temps en temps, ouais, ça y est, je deviens marseillais. Alors, on revient au match, les amis. Donc, les blancs, c'est la Finlande et les rouges, c'est la Russie. Donc on a pu voir 2-3 actions qui étaient pas mal. Donc là, la Finlande, elle commence à aller vers l'avant. Beau jeu de jambes à la Zizou. Ouh, beau shot. Mais ça ne va nulle part, à part sortir dehors. Car le pied était tordu. Plus que la balle. Allez, on continue les amis. On continue, je veux voir des buts. J'en ai marre de matchs nuls. Ben, on aura vu quand même quelques victoires et quelques matchs nuls, mais beaux. Pas des matchs nuls du 0-0 ou du 1-1 tout stérile là. Franchement, ça joue bien pour le moment. Les équipes, elles commencent à se réveiller tout doucement. Donc la Russie, elle attaque. Est-ce que les Russes vont essayer d'aller de l'avant et gagner ce match? On verra ça tout de suite, les amis. Et ça joue. Et ça joue aigle. Mais la Finlande n'arrive pas à finlander. Ah là 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 là, les amis. Quel match que ça va être. Ça va être un match morbide. Hein. Moi, j'en suis sûr. J'espère au moins que la Belgique, demain, elle va gagner. Comme ça, moi, dans ce groupe, il y aura quand même quelqu'un qui va gagner. Parce que sinon, ça va être la merdouille. Ouh, la Russie. Ils ont failli. Heureusement que le défenseur finlandais était là pour prendre cette balle. Ouh, la Finlande avec Pukki Pukki dans le sac. Ouais, parce qu'il y a un joueur finlandais qui s'appelle Pukki. Hein. Donc, dès qu'il marque, moi, je fais la chanson. La chasse en net qui va avec. Désolé, je suis en train de boire parce que j'ai soif. Il fait assez chaud dans ma chambre. Donc j'ai besoin de me déshydrater.
de m'hydrater, pas déshydrater, c'est quand je suis déshydraté que je bois pas. Mon Dieu, j'ai la tête dans le gaz. Ouh, mal joué. Mais bon, l'idée était bonne. Mais le passage, non. On arrive à la 30e minute et il n'y aura pas eu des actions vraiment incontournables dans le match. C'est hyper calme ce match, franchement. Même dans les temps forts, ça va être mortadelle. Donc, le centre, corner pour la Russie. Allez, un petit centre. Possession pour la Finlande, bien sûr. 57 à 43. Ouh, ça se défend bien chez les Finlandais. Une petite contre-attaque peut-être. Ben non, on aime mieux jouer en arrière. Pourtant, tout le monde en attaque ici. Mais personne n'attaque. Comment ça se fait? Ouh, la Finlande veut accélérer le jeu, mais ils n'y arrivent pas. Bordel, quand tu rentres dans le terrain... Ah, voilà, ça se joue à pas grand-chose. La Russie, elle est là. Il shot. Ouh, belle parade de le gardien. Du gardien finlandais. De le gardien. Est-ce que ça va continuer dans cette lancée, ce match, ou quelqu'un va se réveiller et va enfin buter? Parce que franchement, voir des matchs aussi stériles, ça me casse les balles. Je ne sais pas si je l'ai dit aujourd'hui, mais ça me casse les balles. Et je le redis, ça me casse et ça me recasse les balles. Centre du Russe pour personne. Mais la Russie reste en attaque. Donc, on reconstruit une attaque, mais ça ne marche pas. La défense finlandaise s'en sort toujours assez bien. Donc, contre-attaque du... De la Finlande, mais assez lente. C'était assez lent. Ici, il est tout seul, mec. T'aurais pu le voir. Mais bon, c'est pas grave. Il a fait une connerie. Qu'est-ce qui se passe? Corner. Ok. Corner 1-3 pour les Russes. Ouh! Dommage. Et ça joue, ça joue. Les Finlandais sont chauds. Sont chauds. Ils se retournent. Pouki, Pouki dans le sac. Non! Ça a été repris par le défenseur de la Russie. Maintenant, contre-attaque pour la Russie. Est-ce qu'ils vont mieux gérer les contre-attaques que les Finlandais? Et je pense que non, parce que... Oh que oui! Oh que oui! Qu'est-ce qu'il a foutu? Il pouvait aller tout seul! Il pouvait aller tout seul, quoi! Qu'il est laid, quoi! C'est du n'importe quoi, les amis! Regardez-moi ça, il peut aller tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire la passe? Des fois, là, l'IA, elle est vraiment nulle part, quoi. Franchement. Le corner est court. C'est envoyé dans la... Centre du Russe, mais ça ne va nulle part. Désolé, j'ai terminé, les amis. Ouh, presque dans la lucarne. C'était bien tenté, les amis. C'était bien tenté. Mais franchement, ce match, il est vraiment, mais vraiment mou. Hein. On s'ennuie. J'espère que je vous fais pas ennuyer avec mes conneries. Avec mes éternuements, avec mes soufflements de nez. Une minute d'arrêt de jeu. Dans ce groupe, je pense que ça va finir tout le temps en match nul. Allez, 0-0, première mi-temps, les amis. Il faut qu'on change quelque chose. Je vais changer les formations parce que... Ça ne va pas. On se retrouve après, les amis. Donc voilà, les amis. On se retrouve pour la deuxième mi-temps. J'ai changé un peu les équipes. J'ai mis un attaquant plus frais dans la Finlande. Et aussi dans la Russie. Et on va voir maintenant, les amis, ce qui va se passer. Si les équipes vont gérer mieux leur attaque. Et leur défense, bien sûr, mais bon. Plus l'attaque, parce que la défense, ça allait. Ils se défendaient un peu trop. Et peut-être le premier but, mais non. Bordel de neige. Presque. Les Finlandais sont là. Les Finlandais sont là, les amis. Ça va se passer. J'en suis sûr que ça va se passer. Cette deuxième mi-temps va être au top. Ouh! Reprise du gardien. Allez, c'est reparti. Ouais, c'est vrai. C'est la première fois en plus. Et la Russie attaque avec 56 000 joueurs. Est-ce que les Russes vont buter? Déviation du défenseur, mais le gardien est dessus. Donc la Russie continue. Qu'est-ce qu'il a fait, le Russe?
Rien du tout en douille. Donc la Finlande, ils attaquent aussi à plein de joueurs, les amis. Là, on est en plein régime attaque. Hein. Au moins, on doit avoir des buts comme ça. Parce que sinon... Ouh, dommage. Et voilà, le match se réveille, enfin. Continue. Il n'y a pas faute, il a pris la balle avant. Et la Russie, contre-attaque de la Russie. Oh, dommage. Ils sont 4 contre 2 défenseurs. Mais ils n'ont pas réussi à percer la défense russe. Ça attaque de, de deux côtés, les amis. Hein. C'est balle, balle, balle. Jouer, jouer, jouer. Bien joué. Est-ce que le Russe va buter? Qu'est-ce qu'il va faire, le Russe? Déviation encore du défenseur. Mais les manœuvres des deux équipes sont hyper lentes. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à buter. Vous avez vu tout le temps que l'attaquant russe a mis pour décider quoi faire. Franchement... C'est lent, c'est lent. Le centre de l'attaquant russe. Shot, fais quelque chose. Shot, vas-y, shot. Ouh, bien joué. La défense de la Finlande. C'est bien défendu. Ah, rien à faire, les amis. Rien à faire. Ouh, c'était quoi cette passe shot? Tir 4 à 6 pour la Russie. Quelle passe. Il allonge, pourquoi pas. Il allonge, pourquoi pas. Mais cette fois, c'est les Finlandais qui allongent pour les Russes. Les Russes n'allongent pas aujourd'hui. Ils sont radins. Allez, c'est reparti. Est-ce que la Finlande va faire quelque chose de concret dans cette action? Moi, je pense que oui, parce que là, ils sont chauds, les Finlandais. Centre de la Finlande. Ouh. Shot. Shot. Non. Ouh. Ça joue mal, ça joue vraiment mais du n'importe quoi. Ils ont peur, elles ont peur les équipes, on dirait. Ok, il a donné un coup de pied à l'arbitre. En plein pépette. Et ça joue bien chez les Finlandais, mais ça concrétise pas, c'est ça le problème. Ça bouge, ça fait tout, mais ça concrétise pas. Petit centre, mais rien du tout. Et la Russie repart. Ouh, quel contact. Il n'y a rien eu, ça va. Il s'est énervé, le Finlandais, bordel. Ouh, ça joue bien, ça joue. Il choque. Et c'est le poteau, les amis, c'est le poteau. Dommage. Quelle action, les amis. Bien tenté. Mais le Finlandais, Pouki Pouki dans le sac, n'a pas réussi. Non, c'était pas Pouki. Pouki, c'est le numéro 9. Non, c'est même pas le numéro 9, c'est le numéro 10, Pouki. C'est dommage. Bien tenté par le joueur finlandais. Put, dommage, hein, parce que franchement, des fois, ça rentre les ballons comme ça. Donc c'est Lod qui a shoté, voilà. Il préfère jouer avec son gardien. Le long dégagement du gardien. Pouki. Dans le sac. Ouh, dommage. Ben ça marche pas, hein, ça marche pas, ça. Je ne sais pas ce qui se passe, les amis. Ces équipes ne se partagent pas dans ce groupe. Bonne interception, il y avait danger. Bonne interception, mais le danger est toujours là. Bien joué. Est-ce que Pouki va marquer? Ben non, c'est pas Pouki. C'est l'autre attaquant. 78e minute, et ça marche pas. Est-ce que la Russie va en profiter du moment que la Finlande... Mais c'est quoi cette passe? Je ne sais même pas finir mes phrases, que c'est déjà la fin de l'action. Bordel de neige. Ouverture lumineuse. Ils sont morts, les Finlandais, ils sont morts. Ils courent même plus, l'autre. Et la Russie en profite, les amis. Ouh, dommage. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient. Ah ouais, faire tourner. Fais tourner les serviettes. Da, da, da. Et fais tourner les serviettes. Da, da, da. Continue, continue. Avantage. Voilà, il a sifflé, il a sifflé. Bien joué, l'arbitre, il a bien joué. Il a laissé l'avantage, mais ça n'a rien servi à rien. Donc, il a sifflé pour que la Finlande puisse retrouver son petit ballon et essayer de faire autre chose. Pourquoi ça siffle? Pourquoi ça siffle comme ça? Quel bordel! Osdoev, carton jaune.
Petit centre, pour qui? Pour ta sœur. Il chante. Ouh, dommage. Il est bon ce lot, franchement. Dommage. Il a essayé plusieurs fois, mais il n'a pas réussi, les amis. C'est dommage, c'est dommage. Il a un bon shot, hein, parce que plusieurs fois, il a été près du but. Il a pris un poteau en plus. C'est dommage. Je pense que ça va être un match qui va se terminer 0-0 encore une fois. Ou peut-être pas. Oh oui. Allez, contre-attaque de la Finlande. Bien joué, bien joué. Belle ouverture. Mais c'est mal joué la passe. Ils pouvaient avancer tranquillement. Pourquoi ils font des choses comme ça, l'IA? Je ne comprends pas. Pouki dans le sac, il est tout seul. Mais pourquoi t'essayes? Il était tout seul, Pouki. Voilà les amis, match nul encore une fois. Ou peut-être pas, oui, match nul. Encore un match nul les amis. Voilà. On verra la Belgique si on gagne contre le Danemark. Ou pas, on verra les amis. On regarde les temps forts les amis, on se retrouve juste après. Je pense pas que ça va être long parce qu'il n'y a pas eu grand chose. Mais bon voilà, il y a eu plus en deuxième mi-temps qu'en première. Mais voilà, on va regarder. Donc les amis, ça se termine ici, le match entre la Finlande et la Russie, pardon. Donc c'est fini de soit un match nul de 0-0, dommage. On verra la Belgique ce qu'elle fera dans le match prochain pour voir si au moins il y aura un gagnant dans cette deuxième journée du groupe B. Que dire de plus? Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne, activez la cloche pour recevoir mes dernières vidéos, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé les amis. Merci pour tout, ciao ciao les amis.